Ok, alors salut à toutes et à tous les amis. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pêche allemand et vous voyez, je suis en compagnie du magnéticien. Du magnéticien. Salut les gars. Comme d'habitude. Alors là, on est venu sur un nouveau spot, on s'est déplacé, on a pris un peu, enfin on a pris la voiture, on s'est déplacé un peu. On est à côté du, juste à côté d'une usine, enfin d'une sucrerie exactement. Donc on va voir ce qu'on peut trouver ici. Si on trouve rien, vous le savez, de toute façon, c'est encore mieux. Hein. Donc voilà, donc nous on va faire des lancers, on va tester avec d'autres aimants avant de déployer les bulldogs, hein, parce qu'on ne connaît pas le terrain, donc voilà, et ça nous embêterait de bloquer. Donc les gars, vous connaissez le principe des vidéos, on continue au travail, et dès qu'il y a des trouvailles, on vous reprend. A tout à l'heure. Ok les gars, donc on vous reprend, regardez, je viens de faire une trouvaille, je viens de faire ça. Alors là, c'est bizarre comme objet, parce que... Ah, il colle bien encore lui, hein. C'est plat là. Là, ça fait une boule, ouais. Une barre. Donc j'ai strictement aucune idée de ce que ça peut être comme objet. C'est assez lourd, hein, ça fait son poids en plus. Donc voilà. Si vous avez des avis sur cet objet, on est preneurs. Allez les gars, au prochain tour, allez, on vous reprend. Je viens de faire une brochette de barbelé là, au 90. Là ici, là, on a... Ouais, putain. J'ai ouais, plein de barbelés. Vraiment pas mal, hein. Un petit comme ça là. Après bon là c'est des grands barbelés, il y a des petites tiges, il y a une petite vis là juste ici. Mais bon, tout en un lancé quoi, c'est, ouais. Ça veut dire qu'il y en a mine de rien, hein. Ouais, j'ai senti que ça collait et là il l'a ramené. Ok, là, ça voilà, marche. Des barbelés. On va aller, au prochain trouvé on va reprendre, à tout à l'heure. Ça tire, il y a l'air d'avoir une prise là. Ouais, il y a une là, il y a de la prise c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est un morceau de tuyau. Oh wesh, ah ouais. Un bon morceau de tuyau. Bon bah ça c'est sûr. Hein. Hop là. Là. Il est plus tout jeune. Hein. Il est creux à l'intérieur. Ouais, puis il ouais. Est percé ici là. Il est percé. Voilà. Un morceau de tuyau les copains. On vous reprend après. Ok les gars, on vous reprend. Là on a déployé le bulldog 800 et au bout de deux lancers, voilà, regardez, bon bah on continue sur le barbelé. Et de l'autre côté une caisse métallique inconnue. Bon bah. Voilà, vous voyez, là, il y a quelques morceaux comme ça. Ouais, ça fait des petites traits. Un plan général. Mmh. Voilà. Avec un morceau de barbelé juste derrière. Voilà, ah, les copains. Là, on voit bien les... Ouais, attends, je fais un petit plan. On voit bien que ça fait des... Ouais, voilà, ici, comme ça. Vous voyez, comme ça, là. Comme d'habitude, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et voilà. Un visage avec des yeux. Eh ouais. Ouais, c'est peut-être une tête de robot, on va savoir. Fais penser un peu, toi t'es trop jeune, t'as pas connu ce jeu-là sur PlayStation 1, Medieval. La tête du personnage, ça faisait un peu un truc comme ça. Bon. Prochaine trouvaille, on vous reprend, à tout à l'heure. Allez les gars, on vous reprend. Wow. Wow, 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 wow. Allez, d'accord. Ok. Il est plein. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Bulldog. Ciseau cassé. Ouais, rien. De l'autre côté, on le voit bien. Ouais, ouais, c'est un vieux ciseau cassé. Ok. Ah, taille de la barre. Ouf. Et je chantais qu'il collait, le salaud de Bulldog. De... 400, il collait. Ouais, 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 il n'y arrivait pas, tu m'étonnes. Mais le 800, il a fait son travail. Ok, bah, il y a ça, là, de toute façon, qui est juste là. Coller dessus. Et c'est tout. Voilà. C'est parti. Je vous montre une fois la taille. Voilà. Allez les gars, on continue et on vous reprend après. Ok les gars, on vous reprend parce que regardez, le magnéticien vient de nous faire une petite caisse. Ouais, une sorte de boîtier. C'était peut-être une caisse pour mettre l'argent dedans. Ouais, va savoir, je sais pas. Peut-être une ancienne. Ouais. En tout cas, voilà, c'est... C'est pas une boîte où on met les gâteaux en métal, parce que là, elle est bien lourde. Ah ouais, non, 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 clairement, c'est clairement pas ça du tout, c'est... Voilà. Donc, on va vous faire un petit récapitulatif en même temps, hein. Regardez, là, il y a tout ça. Qui a été fait, hein, vous voyez, il y a masse de barbelés. Une petite boucle. Une petite boucle là, morceau de tuyau, il y a des barbelés ici. Voilà, après, il y a eu cette barre là. Il y a eu cette barre là qu'on vous a pas... On devait aller sur quelque chose, parce que là, ça se fixait, je pense, les deux, puis... Pour tirer peut-être une porte. C'est vrai, sûrement une poignée de quelque chose. Ouais, il y a eu une autre barre de fer ici. Mon piquet de jardin. Il y a eu ça. Ouais, il y a eu le piquet de jardin.
Il y a une autre petite barre là, enfin petite barre, regardez, voilà quoi. La grosse barre de fer là, qu'on va bien s'amuser à évacuer. Et le morceau de tuyau là, et le fameux objet là qu'on vous a montré en début de vidéo. Donc voilà. Donc nous, bah, on continue les copains, et au prochain travail on vous reprend. À tout à l'heure. Il y a l'air d'avoir une prise là, non? Il dit qu'il y a une légère résistance. Ouais, ouais, petite résistance, une petite, on va bien voir. Ouais. Si, on... Ah ouais. Bah, une barre hein, comme d'hab, hein, ouais, c'est encore... le classique. C'est le classique. Petit truc de matériaux. Ouais. Aucune idée. Une barre de fer, quoi. Une barre de fer. Allez, on met ça avec le reste. Et au prochain travail, on vous reprend. Ok, les copains, on vous reprend. Et voilà, 4 de vélo. On voit encore la marque. Là, je crois. Ouais. Raleigh. Ouais, je sais pas trop. Premier. Je sais pas trop, ouais. Voilà, un cadre. Il est un peu bizarre, il est petit. Ouais, c'est chelou ça. T'es sûr que c'est vélo ça? Ça m'étonnerait. Regarde, il y a encore le pignon. Ouais, c'est tout, chelou ça. Ça m'étonnerait que ce soit du vélo ça. C'est tordu, je pense. Je sais pas trop c'est quoi ce truc là, mais. C'est marqué là encore la marque cool. Ouais, peut-être une mobilette ça aussi, c'est possible, hein. C'est possible que ce soit de la mobilette ça. Ouais, franchement c'est bizarre. Ouais, aucune idée. Alors là franchement. Si vous avez des idées. Ouais, si vous avez. Encore chromé ici. Si vous avez des avis sur la chose, on est preneur. Hein. Ok, voilà. Ça marche. Un beau cadre. Un beau cadre. Allez les copains, au prochain travail, on vous reprend. A tout à l'heure. Ok, donc là on vous reprend. Magnéto va faire un lancer en direct. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire trouver. Ouais. Avec le bulldog 8. Hein. C'est une valeur sûre cet aimant-là. Oh oui. Il en remonte. Même des fois. Il en a sorti. À chaque remontée, bon, on vous montre pas, mais des fois on fait des petits clous, des vis, mais même s'il n'y a pas grand chose, il y en a toujours. Ouais, il remonte bien, il fait bien son travail. Ouais. Et il en a connu des pêches, hein. Il en a raclé des fonds d'eau. Hein. Il en a raclé. Ouais, ça fait un moment que tu l'as celui-là, puis t'as bien pêché avec. Bah, je l'ai depuis février. Ouais. Je l'ai eu à mon anniversaire. Ah, d'accord. Un cadeau de ma femme. Ah ouais. C'est bien ça. Ouais. Se faire offrir un aimant. Alors, on va voir un petit peu. Je vois qu'il arrive là, l'aimant. Ouais, mais je pense pas. Je m'étonnerais. Après, il n'y a pas de résistance donc. Ouais. Non. Ah. Ah, si. Ah, bah l'éternel. Hein. Ouais. L'éternel capsule. Ok, ça marche. Bon, bah voilà. Rien d'extraordinaire. Donc, au prochain travail, on va reprendre. À tout à l'heure. Allez les amis, récap des trouvailles du jour là qu'on va s'amuser à évacuer maintenant. Alors, ils avaient une grosse vis là, un gros tiers-fond, je sais pas trop. Voilà, divers morceaux métalliques. On a refait une deuxième pièce comme celle-ci, sans savoir ce que c'est. La fameuse boîte que vous voyez là, il y a le cadre, vélo, mobilette, on sait pas. Si vous pouvez nous dire ça, ce serait pas mal. Tout l'amas de ferraille qu'on a, vous voyez, la première elle est là, je vous ai montré la deuxième. Tout l'amas de ferraille là, le barbelé, les choses qui peuvent être assez dangereuses qu'on a préféré regrouper sur le côté pour éviter de nous blesser dans un premier temps. Il y a le morceau de tuyau qui est juste là. Juste là, bon morceau de tuyau. Hein. Après il y a eu cet objet mystère là que reste ici pépère. On aimerait vraiment bien vos avis là-dessus, sur ce que ça peut être. C'est vraiment étrange comme objet, donc on ne sait pas du tout. Donc voilà, si certains d'entre vous savent ce que c'est, bah on est preneur. Hein, on est preneur. Voilà. Il y a eu la méga barre là aussi. Donc moi, il ne me reste plus qu'à dire merci à mon fidèle magnéticien de m'avoir rejoint encore aujourd'hui. Ce spot qu'on reviendra, et juste en face on a trouvé un nouveau, donc on ira voir aussi ce qu'on peut enlever là-bas. Donc n'oubliez pas les amis, Neodym Shop, 10% de réduction avec le code Magnéto, le lien est dans la description. Et il nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle vidéo, qu'elle vous plaise, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de pêche à l'aimant. À bientôt les copains, salut.